Monsieur Hartwig, one minute, please. Le chômage des jeunes est une plaie honteuse pour l'Europe. En moyenne, un jeune sur quatre est au chômage. Et dans certains pays, c'est un jeune sur deux. À l'exception des États membres tels l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, qui ont fait de l'apprentissage la passerelle entre l'enseignement général et la vie professionnelle. Nous observons par ailleurs que les étudiants ayant accompli une mobilité dans un autre pays que celui où ils vivent sont mieux protégés contre le risque du chômage. D'où l'idée d'encourager les apprentis à la mobilité en leur donnant accès aux bourses Erasmus au même titre que les étudiants. La difficulté tient au fait que 28 pays donnent lieu à 28 statuts différents de l'apprentissage. Pour identifier et mesurer les obstacles à la mobilité des apprentis, il faut expérimenter. C'est l'objet du projet pilote que nous mettons en œuvre dès septembre prochain. Je tiens, Monsieur le Commissaire, à vous remercier très sincèrement pour l'appui et l'aide que vos services nous ont apportés. Je veux simplement exprimer le souhait, à l'heure de la simplification, que vous mettiez l'expérimentation à l'abri de la lourdeur des procédures habituelles qui peuvent tuer dans l'œuf les intentions les plus prometteuses. Confiance et pragmatisme pour faciliter l'expérimentation. Merci. We now give the floor to our next speaker for one minute, Mr. Silly Kleotos, please. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα επαναλαμβάνονται τα ευχολόγια της Επιτροπής και των κυρίαρχων κύκλων της Ένωσης για οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση των νέων, μέσω των ίδιων αποτυχημένων πολιτικών σκληρής λιτότητας και μνημονίων. Η Κύπρος, παρά τους πανηγυρισμούς